What's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais très très bien, merci, c'est The Gamers Discotique, on se retrouve pour une toute nouvelle épisode, deuxième partie de Scarabée. Donc voilà, on s'est dit que Taka, j'essaie de le prononcer très très bien, c'était le Scarabée, donc c'est un peu, on peut dire que c'est un traître pour moi, donc après tout ce que j'ai fait pour sa famille, et je me rends compte qu'il le fameux Taka qui voulait me tuer. Donc voilà, on s'est débarrassé de lui sur la première partie, et on va voir les prochaine quête, ce qu'on a ici, quoi. Donc, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a comme quête? Ah non, embuscade de mer, mais non, pas encore. Je vais pas faire ça. J'essaie de finir ce qu'on a ici. Parce que c'est comme on a dit, c'est la complainte des terrasiers. Donc, toujours sur le scarabée. Donc, attendez, on va voir la cible. Ce qu'on a fait, bon, ça c'est fait. Il nous reste le hyène, le crocodile, le lézard. Pas mal, il nous reste beaucoup. Du coup, je vais voir, pardon, à chaque fois j'utilise ma map. Je vais partir pour la complainte des terrasiers. C'est parti. Ah, 145 mètres, génial, c'est pas loin. Howie Sepet. Apprendre leur langage, quoi. Non, mais c'est pas pour maintenant le papyrus. Je vais le faire après. On va voir qu'est-ce qui nous attend. Alors, c'est quoi ces quêtes? Arrête. Laisse-moi t'aider avec ça. Quoi? Je ne suis pas malade. Je suis étonné de voir une femme dans ton état travailler si dur. La venue d'un enfant est une bénédiction. Oh, je ne suis pas une fleur fragile. Oh, tu as mal? Ah, c'est ma petite qui me rappelle qu'elle est là. Mes ouvriers sont un peu lents. Je dois sans cesse aller les surveiller. Permets-moi, Nebet. Ok, trouver les ouvriers et leur parler. Donc, ça sera cette quête pour aujourd'hui. On va voir c'est quoi le problème avec les ouvriers. C'est nous, Théo. Hein? Ils sont là. Sorte de ta cachette. Ah, mais c'est par là! Bah, on va voir pourquoi les ouvriers, ils sont... c'est par là, mon ami. J'essaye de chercher, quoi. Ah! C'est lui! Ah oui, il faut descendre en bas, quoi. C'est parti les amis, apparemment il y a un puits, du coup on va partir là-bas et par où il a sorti? Oui, c'est par là. Ah, le papyrus est là je pense. Ok, c'est fait. En même temps, je ne savais pas que j'allais le faire maintenant, le papyrus, puisque je l'ai découvert avec mon drone. C'est nous, l'aigle plutôt. Désolé. Oh là là. Oh là là. Écrase. Baba! Hipoui! Vous m'entendez? Baba! Que s'est-il passé? Le tunnel s'est effondré! Hipoui et Baba sont coincés à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Tu es assez fort pour dégager le passage. Vois si tu peux les faire sortir. Je t'en prie, Neb. Ce sont mes frères. Reste ici. Je vais m'en occuper. Toujours Bayek, c'est le sauveur. Oh là 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 là, je commence à avoir peur là. Je vais devoir dégager un passage. Hé,
Tu es blessé ? Ah, je me suis tordu la cheville. Mon frère Baba travaillait beaucoup plus loin. Le tunnel s'est écroulé. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Je vais déjà te sortir de là, et j'irai le chercher. Attention. Il m'a semblé entendre des sifflements là-dedans. Alors, on va le porter. Donc ça c'est le premier. On va le déposer devant son frère. Alors qu'il était à deux pas. Deux pas d'ici. Épouille, je vais prendre le relais. Tu dois y retourner pour retrouver Baba. Dépêche-toi, il est peut-être blessé ou pire. Occupe-toi de lui. Je vais chercher ton autre frère. Merci, Neb. C'est parti pour chercher son frère. Maintenez pour prendre en main une torche. C'est parti. Oh là 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 là, ça va être chaud. Y'a quoi ici? Paix à toi, Wadjet. Oh là là! Pardonne-moi de devoir tuer tes frères. Il n'y a pas d'autre solution. Encore ? Ouais, je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Je passe comme ça, inaperçu, quoi. Allez, viens. Tu es blessé ? Non. J'ai réussi à me faufiler ici juste avant l'éboulement. J'ignorais l'existence de ce lieu. On creusait pour rejoindre le fleuve. Cet endroit devait faire partie du vieux temple. Tu as besoin d'aide pour sortir d'ici ? Ça ira. Je vais retrouver mes frères et me reposer un peu. Quel est cet endroit ? Ok, ok, ok. Donc, on se retrouve pour une toute nouvelle... Alors, pourquoi je dois partir ? D'abord, je dois venir ici. Je dois voir c'est quoi. Une histoire... L'histoire des anciens gardiens de ce lieu. D'accord. L'épée n'est pas là. Je me demande si Mysis a triomphé dans la maison de Serket. Serket. Ou s'il n'a pu honorer sa cause. Mm-hmm. Du coup, en tant que serviteur de Dieu, nous portons témoignage du voyage de Mysis, Mysis, fils de Sermet, afin d'enfronter les envahisseurs venus du soleil. Nous avons béni l'épée de Ptath, l'avons placée dans la main de Mysis et l'avons envoyée de l'autre côté du fleuve pour rallier nos lances à la maison de Serket. Ok, d'accord. Oh non, pitié, non. Il y a des quêtes. On va les faire tous, apparemment. Nous avons le papyrus de l'apothèse, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien à part ça. Je vois pas d'autre chose. On peut pas sortir d'ici. Non, 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 way. Ok, on va d'abord faire partie retour. Tu peux pas sortir. Allez, sors. Non, il va rester coincé là-bas. Ah, désolé. Je peux pas te porter. Faut que j'aille voir. La maman, je pense. Je sais pas comment elle s'appelle. Ou bien la dame que j'ai vue tout à l'heure. Je sais pas pourquoi tu balais. Parce qu'il y aura toujours la tempête de sable et ça va venir. Donc, à quoi ça sert tu balais, madame? Chef Nito, le puits s'est en partie effondré, mais j'ai réussi à sauver tes hommes. Ma petite et moi avons de la chance que tu sois passé par ici au bon moment, Medjay. Que les dieux te bénissent mille fois pour tes efforts. C'est le Medjay, bien sûr. Prends soin de toi, et que les dieux bénissent ta petite. Ok, la complainte des terrassiers terminée, je vais voir la quête qui m'attend. C'est l'ancienne bibliothèque... Hop,
Pardon, normalement mon téléphone ne devrait pas sonner. Et comme j'oublie à chaque fois, je le mets en mode vibreur. Lol, c'est fait. Ok, ce qu'on va faire... par contre, j'ai pas terminé ici, donc il y aura une autre mission à faire. Hop, attends, on va zoomer là-bas. Tout ça, quoi, ça sera juste... Pourquoi ça vibre à chaque fois quand je fais... Donc, on va se... déplacement rapide. Et nous sommes de retour, les amis. Le fameux pso qu'on va faire. Allez, c'est parti. Hop. Il est où? Oh non, il est pas en haut. Zone d'exploration. Explorer la rive orientale du Nil. D'accord. Ah! Qui est là? Je suis armé! Avec quoi t'es armé? Si mal à la tête et ailleurs que les dieux s'en souviendront jusqu'à la fin des temps! Calme-toi, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Il ne reste plus grand-chose de valeur. Les chacals ont déjà dépouillé cet endroit de sa chair. J'ai lu le récit d'une bataille entre Myzis et Ocus. Tu sais si elle s'est déroulée ici? C'est ici que Myzis a trouvé la mort des mains de Bagoas, l'eunuque, et Mentor, le Rhodien. Tu as peut-être lu ma version de « J'ai vu Thoth ». Non? Peu importe. Tu sais ce qu'est devenue l'épée de Myzis? L'épée de Ptah, celle qu'on dit sacrée pour Sekhmet et Serket? Non. Mais je te l'ai dit... Ce lieu a été pillé il y a bien longtemps. Les bandits sont installés au nord, et je les évite. Merci. Je vais aller au nord. Du coup, on va partir au nord, comme il a dit Bayek. Ici, apparemment, il n'y a rien. Hey. Je sais pas pourquoi je l'ai attaqué. Wow. C'est quoi ça? Est-ce que je suis venu par là ou pas? Oui. Je vais voir ça vite fait. Non, je suis venu par là. Oui. Je me souviens. Si vous allez voir sur les anciens épisodes, je suis passé par là. Et du coup, j'ai fait cette mission de tout à l'heure, quoi. Aïe, désolé mon cheval. On va voir ce qui va se passer ici. Wow. Ah ouais, d'accord. Rejoindre le campement des bandits. Ce doit être les brigands dont a parlé l'historien. Je me demande où ils ont mis l'épée de Ptah. Cible localisée. Cet endroit est très bien gardé. Je change mon armure. Ils sont où? Ouais, ah, ils sont sûrement ici. Dans la petite cave. La petite grotte, plutôt. Mais... Mais venez pas vers moi comme ça! Allez, viens. L'autre, je ne sais pas, il a... Allez! Ah oui, c'est ça. Donc voilà, je vais prendre juste le vite fait ça. Il reste un autre. Voilà. Faut que je les vende. Eh oui. Merci, déesse vénérée. Et je m'en servirai pour vous honorer. Ah oui, il faut que je le mette. Il faut pas que j'oublie ça. Oh là là, ils étaient où eux? Il y a quelque chose là. Ça se passe mal ici. Sang, il faut le rattraper. Je te tiens, toi. Ah.
Qu'est-ce que... Tu vas payer, crois-moi. Ok. Non mais je vais pas te porter quand même. Allez, oust. Payek, faut pas toujours porter, je suis désolée. Faut que tu laisses crever une fois pour toutes, quoi. Non mais... Qu'est-ce que j'allais prendre? Ouais, j'allais prendre un peu de ça. Qu'est-ce que j'ai... Ah, j'entends un bruit. Un bruit? Apparemment... Où est-ce qu'il est mon Sinou? Oui, voilà. Ce que je me disais. Ça, c'est quoi? Nos campements sont d'accord. Mais par contre, moi, je veux ça. Soit je le lâche et je fais la gentille. Regarde comment il va me faire. Ah! Mais désolé! Ça me fait pas, ça fait rien. Oh, désolé. Comment je t'ai achevé? Du coup, c'est ce qu'on a fait. On doit retourner comme d'habitude. Oh, mais non, mais non. Oui, oui, on peut se déplacer. C'est parti. Bienvenue. Bienvenue à l'Étopolis. Le dernier rêve du défunt Tark. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Bienvenue. Bienvenue à l'Étopolis. Ok, l'Étopolis. Je n'oublie jamais un visage et le tien ne me dit rien. Tu l'as trouvé, ton nouveau foyer. Le miracle du labeur des hommes. La grande œuvre a commencé. Non, ce n'est pas ce que... Tu l'ignores encore, c'est tout. On offre une maison à chaque nouveau venu. Il suffit de la désensabler et d'aider aux travaux communs. Une nouvelle vie. Je ne suis pas venu ici pour vivre dans le sable. Tu devrais aller parler à l'un des nouveaux habitants. Va donc demander à Nei. Il te dira combien il est agréable de se libérer de son passé. Je n'abandonne pas mon passé comme un serpent fait sa mue. Je connais ces Alors, histoires. Alors, parlez à Nei. Un guide te... C'est ça la quête. On va voir. Conduira à ta nouvelle maison. Tu n'auras plus qu'à la sortir du sable et à participer aux travaux ah communs. Ah non, et merci. Tu seras le bienvenu parmi nous. Moi, je suis juste passager. Et voilà. Ça, c'est quoi qui brille par là? Oui. Je veux ça. Ah. Il y a quelque chose qui brille par là. Oh. Hop. Peut-être je vais trouver des... Kéops et Kiera ont disparu. Hein? Encore eux. De qui? Par les dieux! Mais qu'est-ce que je vais faire? Paix à toi, mon ami. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis maudit par les dieux. Mon frère m'a pris ma ferme et ma femme à Imu. Et maintenant, j'ai perdu le peu qu'il me restait. Mon chariot a versé dans un fossé, loin de la ville. La nuit venue, j'ai entendu de terribles rugissements. Et je les ai abandonnés. Mes pauvres bœufs, mes seuls biens, qu'est-ce que je vais devenir? Des rugissements? Il n'y a pas de fauves dans cette région. Je n'ai pas cherché à le savoir. C'est tout ce qu'il me restait de mon père. Kéops et Kiera. Je les ai abandonnés avec tout ce que j'ai. Quand j'irai dans cette région, je verrai si je les trouve. Pour l'instant, occupe-toi de ta nouvelle maison. Merci. Ma maison est à droite de l'entrée du temple. Puisses-tu voler sur les ailes brillantes d'Horus? C'est où? Ah, bon, là, on aurait besoin de mon cheval, là. Honnêtement. C'est parti, mon cheval. Le sable, la tempête. Wow. Qu'est-ce que vous portez avec vous? Non, rien. Simple garde. Allez-vous-en! Je vais voir pourquoi l'autre... Il y a un point d'exclamation. Non, je vais partir d'abord là-bas, le sauver. Apparemment, il y a...
On l'a fait. Oh, ouais. Ah, ils attaquent à vue par ici. Je vais t'étriper. Ah mais non, pourquoi je suis venu ici? Pour juste le sauver. Tu vas crever. Ah non mais attends, tu veux ça? Ah, il m'a eu. On va appeler Sinou. Vite fait, et tout ça pour le libérer, quoi. Allez, dégage d'ici, il y en a deux en plus. Ah. C'est gentil. Thank you. Ok, la cible est localisée. On va faire tout ça, quoi. C'est quoi ça? C'est les hyènes. Avec quelques gardes, apparemment. Trouver le chariot de Neye et lui ramener. Ah, je vais te tuer. Doucement. Voyons si je peux vous dégager. Ah mais non! Ah! J'ai une bonne nouvelle. Toi, tu vas crever. Allez, c'est bon, là, moi, je vais utiliser ma force, là. Oh non! Who is next? Je vais prendre ta peau. Enfin, il y a deux. Allez, je prends tout ce que j'ai besoin. Ça c'est fait. Mais non. Ah, ça marche pas. Ça me fait. Encore. J'aimerais bien trouver les pierres. Tellement elles sont introuvables. J'ai tout pris, j'espère, hein. Heureusement que il y a mon œil qui voit tout. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Kila. Ya. Mon cheval, tu me rejoins après. On va voir. Heureusement que je suis venu. C'est clair. Le pauvre Ney serait mort et vous auriez été mangé par les lions. Il chante. Hein. Ah non, je vais partir par là. Je vais pas causer mes problèmes. Oula! Oula! Oh. On fait demi-tour! Demi-tour! C'est par là! Vous avez vu leurs cornes? Apparemment, je vais affronter ça. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? High position, Gareth. On va parler à lui. Bayek, tu as trouvé Khéops et Kira. J'en pleure des larmes de joie. En fait, c'est eux. Le travail a bien avancé durant mon absence.
J'ai trouvé quelque chose d'étrange dans ma maison. Ça attise ma curiosité et pourtant j'en suis terrifié. Tu veux le voir? Montre-moi. En dégageant la pièce principale, j'ai trouvé des inscriptions inquiétantes sur le mur. Elles sont anciennes, je ne sais pas ce qu'elles signifient, mais elles me donnent la chair de poule. Ancienne, oui, mais incomplète. Impossible à déchiffrer. Effacée par le temps et le sable. Tu crois que cette maison est maudite? Je vais me renseigner en ville. D'accord, mais que vais-je faire? J'ose à peine dormir ici. Tu ne risques rien. C'est une maison hantée, quoi. Tu devrais aller voir Ramesu. Il connaît tout le monde et il sait tout ce qui se passe en ville. Je n'en doute pas. Du coup, on va parler à Ramesu. C'est des missions enrichissantes aujourd'hui. Donc voilà, qui est mort. J'arrive tout de suite. Je fais une petite pause et j'arrive. À tout de suite. Et nous sommes de retour, les amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On allait dire qu'on va parler à Ramesu, comme d'habitude. Il est à... Ah oui, c'est le gars, là. C'est pas le vendeur, c'est lui qui nous a dit qu'il faut qu'on habite ici, quoi. Qu'est-ce que tu as... Bienvenue, l'ami. Ouais, je suis venu. Toi, je sais ce que tu veux. Tu viens te chercher une maison. C'est ça. Non. Tu pourrais la déblayer en un rien de temps. Assez. Je viens de chez Nei. Il m'a montré des inscriptions étranges. Sois sans inquiétude, mon ami. Ils sont trois à m'avoir dit la même chose. Elles sont trop vieilles pour avoir gardé le moindre sens. Je vais aller les voir. Apparemment, c'est le méchant. Fais ce que tu veux, mais tu perds ton temps. Oh là là, à proximité de Sinou. Ok. Mais attends! Fais-moi juste une, Sinou, please! Apparemment, c'est pas cette maison. Trouvez les... Nature. Il y en a quatre. Apparemment, c'est celle-là. Non. Je m'approche. Mais non. Allez, c'est nous. C'est bon, on a localisé trois maisons. Voilà. Tu viens d'arriver? Je suis de passage, mais j'enquête sur un mystère. Tu as trouvé d'anciens hiéroglyphes chez toi? Comme tout le monde. Je ne m'en suis pas préoccupé. Pourquoi? Ils veulent dire quelque chose? Je l'ignore encore. Je peux les voir? Bien sûr, oui. Et dis-moi si je dois m'inquiéter. On va le suivre. Une autre portion du message. Un message très important. On va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Ben, Bayek. Deuxième maison à 75 mètres d'ici. Je peux te demander quelque chose? Oui, quoi? Nei a trouvé un étrange symbole chez lui, comme toi. Je peux y jeter un œil? Naturellement. C'est le nouveau, hein?
Il serait mignon s'il n'avait pas toujours l'air prêt à pleurer. Dis-lui que j'ai demandé de ses nouvelles. Mon nom, c'est Nebefer. Nebefer. Alors, ta maison, elle est où? Elle est par là. Un autre morceau du message. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire encore, Bayek? Il nous reste la troisième maison et on va voir, peut-être, on va découvrir pourquoi on a ça. Ouais, qu'est-ce que je peux pour toi? Ramessou dit que tu as trouvé d'étranges hiéroglyphes dans ta maison. Oui, je dois dire qu'ils m'ont inquiété. Je crois que quelqu'un d'autre en a trouvé de semblables. Je peux les voir? Bien sûr. Va jeter un coup d'œil. C'est par où? C'est la suite. Le style est identique. Peut-être une autre partie du même message. Exactement. Le message est complet. Prophétique. On dirait que c'est une vision prophétique. Voilà. Les pieds fermement plantés à l'Étopolis regardent à l'ouest vers les pyramides. Dans les dunes repose le temple d'un million d'années, gardé par les lions de pierre. Où se trouve ce temple? Ok. On va explorer les alentours, mais par contre, il faut que je sauve ce gars-là qui est mort. Comme ça, bêtement, il a été tué par des sauvages gardes. Et on va le faire. Quelque chose ne va pas. On va l'examiner. Alors. Oui. Nouvelle avire. Embuscade en main. Trouver. Alors. Attendez, je vois ma map. Par contre, je vais synchroniser ça. Non, ça, c'est mon aigle. Oh là là, ce que je vois. Regardez, les amis. Pourquoi il me fait ça? What's happened, Sinu? Tell me. Référez-vous à la traduction hiéroglyphique. On va voir, hein. Bienvenue, Nebet. La ville de l'avenir de l'Égypte t'ouvre grand ses bras. Tais-toi. On trouve beaucoup d'œuvres perdues et de fragments de l'ancien monde. Ah! Peut-être pas chaque jour. C'est là-bas. C'est souvent pour nous émerveiller. Bienvenue à l'Étopolis. Le dernier rêve du défunt Taharqa. C'est parti, les amis. C'est là-bas. Je savais, c'est les pyramides. Je voulais les faire, quoi, mais je me dis, il faut que j'aille doucement, je vais pas me précipiter. Et du coup, c'est fait, les amis. Attends, je veux... S'il y a rien. Alors. Zone d'exploration. C'est ça, apparemment. Wow. Hey, mieux vaut ouvrir l'œil. C'est Ronnie. Quoi? Non, pas seul. Tu vas mourir. Par ici, mes frères. Deux choses. Je suis un monteur. En fait, c'est leur carte. Ton talent est aussi inexistant que la vertu. Ah, mais ça va pas, toi. Allez! C'est fait. On s'est débarrassé. Il y en a quoi? Oulala, ça craint là. Il y a rien. C'est parti, les amis. Oh là là, je suis trop contente. On va voir. Qu'est-ce que les prêtres ont cherché à obtenir lors de leur dernière cérémonie, il y a si longtemps? Ok. Ces hommes étaient des prêtres régisseurs. Comment ils le savent? Ils ont été tués?
Ou ont-ils choisi la mort? Peut-être ils ont choisi la mort. Une ancienne préparation, sèche depuis longtemps. Une ancienne préparation, sèche depuis longtemps. Ok, je sais ça, Bayek. On avance. La dame du massacre. Alors cet endroit était consacré à Sekhmet. Je croyais que l'Étopolis vénérait Horus. Alors, papyrus de prière, prière. À Sekhmet. Ok. L'Étopolis a été sacrifié aux dieux par les anciens, afin que le reste du cours du Nil soit accordé aux hommes. Ces prêtres ont invoqué la protection de celle devant qui tremble le mal. En absorbant ce breuvage, ils ont offert leur vie, ainsi que leur ville, à Sekhmet. À leurs yeux, le projet de Taharqa est un sacrilège. On va parler à Nehi Retour. C'est parti. J'adore comme ça, quand c'est profond, des grottes comme ça, où tu découvres, tu explores. Oh mais c'est magnifique. Ah, il m'attend, mon petit... Ouais, mais c'est pas possible. C'est parti, les amis. Hop. Il va avoir peur, le pauvre, le Nehi, là. Wow. Allez, c'est parti. Ah, Bayek, je commence à m'habituer à ces symboles. Nébéfer est même venu partager un repas. Tu as trouvé quelque chose? Oui, mais je ne crois pas que ça va te plaire. Exactement. Ah, une malédiction? Je le savais. Non, pas exactement. L'Étopolis a été offerte à Sekhmet, afin de protéger le reste du Nil. Nous avons offensé la dame du massacre? Alors ça explique les tempêtes. Elle veut reprendre sa ville. Nos dirigeants sont-ils fous ou aveugles? Je vais partir d'ici. Nébéfer voudra peut-être me suivre. Mais et toi? Je ne suis que de passage. Tu as été bon pour moi, contrairement aux autres. Peut-être qu'un jour, nous aurons la chance de nous revoir. Ok, Ok, on a terminé apparemment. Qu'est-ce qu'il me dit? On va partir pour synchroniser ça. Et je pense qu'on a terminé. Par contre, ça passe encore, pas encore. On va voir au fur et à mesure de l'épisode. On va synchroniser ça vite fait. What? Attends, je vais voir s'il y a encore des quêtes à faire. Venger, ouais, on va faire venger ça aussi. Ouais, c'est là-bas. Je vais juste synchroniser et je vais terminer avec cet épisode-là pour la suite du scarabée. Là, là, c'est où, là? Oui. Allez, Bayek, t'es fort. La synchronisation, hop. Les autres, je pense pas que ça va être important. Du coup, voilà, puisque c'est fini pour aujourd'hui, les amis, je pense que on va faire pour trouver et tuer les coupables et que ça sera hors enregistrement. Voilà pour tout. J'espère que vous avez aimé ma épisode, la deuxième partie. Et c'était avec vous, The Gamers Discothèque. On se retrouve pour une toute nouvelle épisode. Ciao, ciao, les amis.